Comment ça s'appelle? Ça s'appelle la pain Harvey? Un trèfle. Un trèfle. Ouais. This is a really old technique of making a bread shape. C'est, ça ressemble un peu à la croix occitane, ce qui est notre symbole, nous, ici. Là. Tu connais la croix occitane? Oui. Voilà. C'est, tu l'as fait les dimanches, alors? C'est bon, c'est le dimanche aujourd'hui. Voilà. It's Sunday today and it looks like the cross. Bon, on va essayer de le faire. This, the bread is, has actually lost a lot of its puissance, the power. Allez. So, I'm going to record this one more time. Donc, tu fais une entaille là. Une entaille là. Une entaille là. Tu vois, tu as déjà ton... Oui. D'accord ? Quatre. Les quatre oui. trucs. Et alors, après, tu rajoutes une lamelle que tu replies sur ton entaille. Une deuxième lamelle. Mais quand je te dis, toujours ça se, droite, ça se fait mieux. Voilà. Remarque, tu peux le faire à droite ou à gauche, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais... Là. Et là, tu vois, c'est pas voilà, il faut le faire avec la pâte prête. Hein. Oui, tu comprends? With bread that's ready to go in the oven. Voilà. This is just the dough that's left over. C'est très joli. Voilà. On met ça au fournis. Et là, t'enfournes et ça fait un pain. On peut le mettre? On peut le mettre, mais ça va pas pousser comme il faut. Tu veux qu'on essaye? Oui, on va essayer.